Made in Local part en live. Made in Local part en live. Le mercredi à partir de 13h en direct sur RCM. Et le mercredi, les artistes prennent en otage la bande FM, celle d'RCM, à croire que l'on souffre ici du syndrome de Stockholm. On les aime, ces musiciens, à tel point qu'on les réinvite. J'accueille aujourd'hui le groupe Ferguson à nos côtés. C'est les deux têtes pensantes et puis surtout chantantes, Michaela et David. Bonjour à vous deux. Bonjour Jérémy. Bonjour. Il y a 10 petits mois, vous étiez là, c'était au mois de février, au même endroit, derrière ces mêmes micros, on faisait connaissance sur les ondes d'RCM. Et c'est marrant, vous nous rendez visite tous les deux quand il fait froid. À croire qu'on fait appel à vous quand on a besoin de chaleur, non? Ou à croire qu'il fait chaud ici et qu'on aime venir s'y réchauffer. Pas mieux. Pas mal de parcours hein, depuis ce mois de février, puisque il y a eu des dates de Calais un peu partout en France. Oui. Hein. Oui, on a bien tourné tout au long de l'année dernière. On a fait notamment beaucoup de premières parties d'une artiste qui s'appelle Mélisse Mel, que je vous invite à découvrir. Et évidemment, le titre « Les enfants de la crise, le mouton » qui tourne ici sur RCM. Exactement. Mélisse Mel. Voilà. Et alors, contact avec cette artiste, plutôt sympa. Ah bah ouais, super, super. Ça nous a bien aidé. C'est toujours très inspirant quand on rencontre... les personnes qu'on rencontre sur notre parcours nous font évoluer de toute manière. Et c'est des beaux exemples, c'est... Voilà, humainement, ça s'est très bien passé avec tout le monde. Vous avez joué où en France alors depuis ce mois de février? Un peu partout? Ah bah, je pense qu'on a quasiment fait le tour de France. Ouais. Ouais, on est allé, on est parti de l'extrême sud-ouest. On a joué à Hendaye, on a joué un petit peu dans tout le Pays basque. On est allé sur Avignon, sur Toulouse, Lyon, dans le Jura. On est allé dans la région centre. Évidemment, on a pas mal vadrouillé en Lorraine aussi. Dans le nord, oui, bah, tu vois. Un peu partout. Un peu partout. Voilà. Un peu partout. Mais dans l'ouest, moins. C'est souvent ça. Hein, quand on reçoit des artistes ici, notamment Lorrain, ils nous disent bon, voilà, l'ouest, c'est pas tout de suite. C'est comme s'il y avait une frontière un peu. Ouais. C'est plus dur. C'est pas volontaire, hein, c'est plus loin. Oui, déjà, ça coûte. Payer l'essence pour y aller, déjà. Oui. Bah, ceci dit, on est allé dans le sud-ouest, c'est encore plus loin. Oui, c'est vrai, là, ça tombe complètement à pas, hein, ce que je viens de dire. Il y a peut-être une mentalité différente du côté de la Bretagne, vous n'êtes pas assez festif? Ah, c'est pas ça, je crois pas, non, c'est qu'on a, peu de contacts, peu de points d'attache pour l'instant dans cette région-là, mais plus ça va, plus c'est le cas, et on ira, de toute façon, on s'y est engagé vis-à-vis de certaines personnes qui nous aident actuellement. On vous attend là-bas. Voilà. On va certainement commencer par La Rochelle. La Rochelle, ouais. Un de vous deux y avait déjà été ou pas au Francofolie? Non. Non, du coup, ça serait peut-être un objectif, toucher le franco. Bah ouais. Allez, chiche, objectif 2013. Ouais, d'accord. Sacré enjeu. Il y a des coins de cette France là qui vous touchent plus que d'autres, peut-être par rapport au public ou à l'accueil qu'on peut vous faire. On passe beaucoup de temps à Lyon, c'est vrai, régulièrement, David, depuis très longtemps. Là-bas, il se passe de belles choses, il y a une belle dynamique. Je dirais que le sud-ouest, hein, David. Oui, aussi, c'est vrai. Le sud-ouest, pas mal. Il est originaire de là-bas, il faut le souligner, alors forcément. Et donc c'est pour ça que c'est facile d'y aller. Bah, disons que c'est un petit peu plus simple. En tout cas, tu sais où dormir. Oui, voilà, déjà ça. Ouais, ça aide, c'est sûr. Penser à dormir, à manger, ça c'est le quotidien de l'artiste sur la route, être payé. Comme on mange plutôt bien là-bas, c'est l'un dans l'autre. Et c'est pour ça c'est aussi qu'on prend la route finalement. Pour manger et dormir. Ouais, on est pour les rencontres. Ouais, manger et dormir. Mais les rencontres, c'est clair. C'est clair. Nous, c'est vrai que c'est un truc qui nous stimule pas mal, ça. Aller rencontrer les gens. Bah là, par exemple, au mois de juin, on a fait ça, quoi. On est allé jouer chez les gens, beaucoup. Du coup, on a dormi et mangé chez eux aussi. Dans leur appartement, dans leur maison. Dans leur maison. Ouais, ouais. C'est dans le cadre d'une tournée qu'on a montée à quatre avec notre ami Guillaume, que vous avez reçu ici, ainsi que Nicolas Vitas. Et voilà, on a monté une tournée qui s'appelait Non Solvable Tour, monté avec les moyens du bord, et on est partis tous les quatre et on a fait une tournée de 3 semaines où on a mélangé des concerts dans des salles et des concerts chez l'habitant. Mais ils vous ont accueillis chez eux, on fait profiter la famille, les amis, c'est ça, exactement. Ouais, ouais. Exactement, ce qui fait qu'à chaque fois on a joué à peu près, je sais pas, il y avait quoi, peut-être une trentaine de 40, personnes, à peu près, 30, 40 personnes, ouais. Et ça se passait soit dans leur salon, soit dans leur grange, quand ils avaient une maison. Dans le jardin. Dans le jardin, au bord de la piscine, quand il y avait. Et ça, c'est une très très bonne expérience. Ouais, c'est une autre manière, finalement, de se faire connaître, de se produire.
peut-être plus payante même, on touche les gens directement. Ouais, ah mais complètement. Mmh. Et puis il y a un échange, c'est-à-dire que le fait de venir chez les gens, forcément ça favorise l'échange direct et on construit aussi des liens forts en tout cas. Voilà, il y a un contact direct qui est pris et ça c'est super chouette. Alors Ferguson, le premier album, c'était Les Accords Tacites, hein, il me semble, ce titre-là. C'est ça. C'est bien avec, ça. Avec notamment, allez, pour mémoire, on se réécoute un extrait, Les Accords Tacites. Tenir la distance, apprenons nos limites, mais feras-tu quand même où ça nous mène. Les Accords Tacites, on vient d'écouter cet extrait. Premier album, c'était en 2010-2011. Il est sorti le 31 janvier 2011. Et vous perdez pas de temps finalement, déjà en train de travailler sur le prochain. On essaie de pas perdre de temps. Et Accords Tacites, en fin de compte, voilà, reconduction tacite du projet, vous vous entendez très bien entre vous et vous prenez parfois la route du studio. Parfois, c'est vrai, il y a des moments où c'est un peu plus compliqué. J'allais dire pas toujours, mais ouais. c'est la même chose. Hein. Non, mais c'est ça, c'est vrai qu'il y a dans le camion, enfin, ou je sais pas comment vous vous déplacez, en tournée, ouais. L'un sur l'autre, des fois ça peut être des tensions. C'est ça. C'est vrai ? Ah, ben oui, évidemment, tu sais, on partage tout, quasiment 24 heures sur 24 ensemble. Ouais. Donc il faut de l'intelligence, il faut de l'indulgence, il faut de l'amour. Voilà. C'est ça qui vous unit. Ouais, faut vraiment partager ça pour que le projet tienne la route aujourd'hui. Mais en fait, moi, ce que je dirais, c'est que quand il y a des tensions, des conflits ou ce genre de choses, c'est plus, c'est pas dans la Ferguson mobile que ça se passe. Dès lors qu'on prend la route, qu'on va jouer, qu'on est dans l'action, là, on est soudés, solidaires, on fait un bloc et point. Après, c'est plus en amont, dans la réflexion sur les choses, où forcément, il y a des points de vue qui peuvent parfois se confronter, mais on arrive jusqu'à présent toujours à trouver les compromis, la manière de tomber d'accord. Et vous êtes mis d'accord pour déjà produire un premier disque promo, oui. Ça tombe bien, on l'a avec nous. Une manière aussi de dire aux médias et puis aux amis, aux organisateurs de concerts, bon, on est là, hein, on est toujours là, toujours en train de composer. Allez, on va écouter un extrait, il y a plein de choses à dire dessus, hein, sur ce disque. Ex Aequo, il ouvre cet album-là, il a un petit quelque chose de particulier, on en reparle après.
00. Made in Local part en live. Made in Local part en live. Le mercredi à partir de 13h en direct sur RCM. Et à l'instant, c'était le titre Ex Aequo, première fois que moi je l'entends. Sympa, franchement, j'en suis un peu retourné. Eh bien écoute, je partage ton émotion, nous sommes très émus de notre côté. C'est effectivement un baptême pour la chanson, c'est la première fois qu'elle passe sur les ondes. Et on est bien content que ce soit avec toi ici. Et Far Est, ça sera cet album sur lequel figurera le titre là, Ex Aequo notamment. Et Far Est, en fin de compte, ça fait aussi un peu écho à votre parcours. Ah, complètement. Ouais. Complètement. Bah, si tu veux, c'est le titre. Ça sera donc le titre de l'album, Far Est. Et c'est un petit peu ce qu'on a ressenti quand on est arrivé ici. Il y a donc 2 ans maintenant. Voilà. Et il y avait quelque chose de très cinématographique. C'est-à-dire que nous sommes arrivés un soir de pleine lune et de tempête dans la ville de Saint-Dié. Il y avait personne. Voilà, c'était le vide total, absolu. Seul le bruit du vent nous accompagnait. Il était 20h, les réverbères clignotaient, et c'était ballotté par le vent. Mais réellement, hein, ça s'est réellement passé comme ça. Et là, on s'est dit, nom de Dieu, on débarque dans cette région, c'est le Far East, quoi. Vraiment, ouais, il faisait froid, tout. Voilà, il y avait quelque chose de très cinématographique. Et c'est, du coup, ça donne le titre à l'album. Et je pense que ça en dit long. Enfin, pour nous, en tout cas, ça en dit long. Oui, et puis de toute façon, il y a une bonne partie des chansons qui seront sur l'album qui ont été composées ici, dans la région, dans la maison qu'on habite actuellement, dans les hauteurs de Saint-Dié, dans la montagne. Et donc, même si c'est pas forcément un album qui est porté sur la nature à outre mesure, mais il nous a été inspiré par ce qu'on a vécu ici. Et l'histoire se poursuit puisqu'on est en train de lui donner naissance grâce, entre autres, à des personnes qui se trouvent pas ici. Voilà, donc il est bien baptisé celui-là. Et ça, on en reparlera aussi de la manière dont vous allez sortir cet album-là. Alors votre accueil, justement, bon, du coup, froid quand vous êtes arrivé ici en Déodacie. Et le contact avec les autochtones, comment il s'est passé, des gens sympas ou... Là, par contre, c'était tout l'inverse. Réellement, quoi. Ouais. On a eu un super accueil. Dès les premières dates, on a vu comme ça du monde venir spontanément vers nous et nous adopter. Et ça, vraiment, c'est... Qu'est-ce qui peut faire plus plaisir que ça, quoi? Oui, parce que vous avez quitté la capitale, le confort de la ville, le confort des réseaux où tout le monde se connaît ou pas, d'ailleurs, pour tenter votre chance ici. Vous êtes quasiment reparti à zéro en fin de compte en arrivant ici. On est reparti à zéro. Ouais. Oui, et on repart encore à zéro aujourd'hui, c'est ça, d'une certaine manière. Donc, Ferguson a besoin de se régénérer à chaque fois. Ouais, aussi. Mais je pense qu'au-delà, bon, Ferguson certainement, mais je pense que même la plupart des artistes, hein, il faut. T'étais quand même obligé de comment dire, effectivement, de repartir à zéro sur chaque projet pour éviter de te répéter, pour. Essayer d'innover un petit peu à chaque fois. Et puis on aime l'adrénaline, l'aventure. Et puis au bout d'un moment, quand on arrive à la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui s'épuise. C'est un réflexe vital aussi que de trouver des solutions pour relancer la machine, quoi. Donc là, c'était un challenge, on l'a tenté. Et puis autre challenge, c'est se faire accepter aussi par la foule musicale des Vosges. Vous avez même tissé des liens assez forts avec les musiciens vosgiens. Semble-t-il, oui. Oui, les musiciens et le public, mais les musiciens entre autres, si c'est le sens de ta question. Ouais. Oui, bah on a rencontré effectivement de fil en aiguille pas mal de personnes qui font également de la musique dans la région et on a eu envie, en faisant la connaissance de toutes certaines de ces personnes, de travailler en réseau justement, donc de se fédérer, de se serrer les coudes, de se filer des coups de main, et pourquoi pas créer aussi ensemble des choses. Donc il y a encore des petits projets sur le feu. Il y en a plein. Bon là, c'est Far S qui nous intéresse. Vous avez déjà commencé à enregistrer quelques titres chez vous, à la maison. Voilà. C'est ça, dans notre maison. C'est quand même confort, hein, de transformer sa maison en studio d'enregistrement. Bah, ça dépend, confort, oui et non. Ouais. Tout dépend pour qui. Je pense certains foyers qui n'en voudraient pas pour dessous, mais nous, on est contents d'avoir des amplis dans le salon, de faire des prises dans la cuisine, voilà.
La salle de bain pour les prises de voix, voire de l'écho. Par exemple. La batterie dans la cave. Ouais. Non, mais en plus, c'est vrai que ça s'est passé comme ça. Ouais, c'est on a du mal à s'imaginer quand même transformer une maison en studio d'enregistrement. Et là, c'était pour les premières prises, pour faire une maquette. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a commencé, ça fait concrètement un an qu'on travaille sur l'album, c'est-à-dire qu'on a pré-produit tous les titres, donc pour ceux qui connaissent pas bien, c'est-à-dire maqueter, c'est-à-dire jeter les premières idées, terminer les chansons, les structurer. Et une fois que ça c'est fait, et ben après il faut passer au définitif, quoi. Et là donc on a enregistré 3 titres en définitif, et à partir de là, bah, on n'avait plus de sous. parce que évidemment on fait ça à la maison, mais après ça coûte quand même un petit peu d'argent. On met un point d'honneur à ce que tous les gens qui participent à l'album soient d'une défrayés et de deux payer un minimum, quoi. Donc tout ça, on l'a pris dans nos deniers, dans tout l'argent qu'on avait mis de côté pendant les 2 années précédentes. Et puis là, bon, on est à court. Oui, oui. Et puis contrairement au premier album, là, vous êtes libre. Enfin, dans le sens où vous n'avez pas de label. Alors ça, a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Vous n'avez pas de label pour vous aider financièrement. Non, c'est un choix. Voilà, un choix qu'on a fait. Mais on a la liberté d'agir, de choisir avec qui on travaille, comment. Comme quelle forme on donne aux choses, quel ton on utilise, et surtout on peut envisager les choses d'une manière qui nous est propre, aussi bien dans la manière de communiquer, de où il est important d'investir et sur quoi. Et ça, c'est des questions qui se sont posées dans notre expérience préalable avec notre maison de disques. Oui, parce que c'est quelque chose qu'on perd quand on est dans un label. On est tributaire des décisions d'autres personnes, et pour peu qu'on n'ait pas la même façon de voir les choses, on est obligé de le subir parce qu'on est artiste sous contrat, et donc c'est eux qui ont le dernier mot. Mmh. En l'occurrence, il y a, voilà, là, sur certaines démarches, façon de faire les choses, on n'était pas d'accord. Cette fois, on est tranquille. On parlera de vos démarches justement pour sortir ce disque-là, Farest. Comment vous l'envisagez, puis comment aussi vous faites appel au public, parce que ça va être avant tout, du moins en partie, l'album du public, notamment via une plateforme qui permet d'aider le groupe. C'est ça. En attendant, est-ce qu'on pourrait avoir un petit aperçu aussi de ce que ça pourrait donner en live, ce nouveau disque? Vous êtes venu avec un titre à jouer? Avec plaisir. Ouais. Et ben on se retrouve, je vous invite à rejoindre la scène pour jouer ce titre-là en live, Ferguson, qui s'apprête à sortir ce disque-là si vous aidez le groupe, car le groupe a besoin de vous. Vous en saurez plus juste après le live Made in Local, pas en live, avec le groupe Ferguson. Made in Local part en live. Made in Local part en live. Le mercredi à partir de 13h en direct sur RCM. Et le temps que le groupe s'installe, Ferguson, c'est deux voix, c'est Michaela et David. Alors quel titre vous avez décidé de nous interpréter? Alors nous allons interpréter une chanson qui s'appelle The Wind. Il s'agit d'un poème de Robert Louis Stevenson qu'on a mis en musique. Eh ben c'est quand vous voulez, Ferguson. I saw you just a cat on high and blow the birds about the sky. And all around I heard you pass like ladies' cats across the grass. The different things you did, but always you yourself you heal. I felt you push, I heard you call, I do not see yourself at all. So loud a song.
so strong and cold. Oh brother, are you young or old? Are you a beast of field and tree, or just a stronger child than me? Ferguson en live sur RCM. Made in local part en live. Made in local part en live. Le mercredi à partir de 13h en direct sur RCM.
same. Now Brad is your man. Caroline, Caroline, Caroline. Alone and lost in the world, proud is your man. Caroline, Caroline, Caroline. Alone and lost in the world, proud is your man. Caroline, dit avec l'accent français, c'était Mysterias, à l'instant un des Audaciens, également un artiste local. Made in local part en live. Made in local part en live. Le mercredi à partir de 13h en direct sur RCM. Le groupe Ferguson est avec nous depuis 13h15. On parle de ce nouveau projet, Nouveau Bébé Far Est, un album qui devrait sortir. Et tiens, j'y pense. Caroline, c'est également le nom d'une auditrice là, qui sur internet nous dit: tiens, moi j'ai des contacts à Rennes, là où il y a la Laverie Concert, et puis sur La Rochelle, donc avis aux amateurs. Super, super. Bah, Caroline, prends contact avec nous directement. Donc c'est plutôt pas mal. C'est comme ça que des contacts s'ouvrent. Exactement, exactement. On parlait de cet album Far Est, on disait que vous faisiez appel à la générosité de votre public. Alors, expliquez-moi un petit peu ce que c'est que cette histoire. Alors, bah écoute, je vais commencer, Michaela, tu prendras la suite, au cas où j'oublie quelque chose. C'est une longue histoire. Ouais, bah écoute, disons que pour faire court, depuis le début, en ce qui nous concerne, on existe grâce aux gens. Ça, c'est une réalité. Donc, on s'est dit que pour ce deuxième album, on avait envie de le faire avec eux. De la même façon, pour ceux qui auraient envie, en tout cas, que ce second album existe, eh ben voilà, on leur demande de participer, évidemment financièrement. C'est-à-dire que nous, on a déjà mis une bonne partie. On n'arrive pas comme ça les mains dans les poches non plus. On a déjà mis une bonne partie de la prod. Mais là, il nous manque effectivement encore quelques milliers d'euros pour terminer. Et donc, on s'est mis sur une plateforme participative qui s'appelle Kiss Kiss Bank Bank, qui est une plateforme qui collecte des fonds pour la création. Et donc, on a monté un budget qu'on a établi ensemble, donc entre certains frais de production, certains frais liés à la promo, etc. Donc, on est arrivé à un total de 8500 euros qui nous manquaient. Et là, ce qui est carrément super, super cool et super engageant, c'est que déjà au bout de 3 semaines, on a collecté plus de 5000 euros. Donc ça veut dire que ça fonctionne, et ça veut dire que, en tout cas, les gens qui nous connaissent, qui nous ont vus sur scène, qui ont acheté le premier album, ont envie qu'il y en ait un deuxième et ont envie de participer. Et parce que la philosophie, c'est voilà, on a un projet, on vous sollicite pour nous aider à le financer. Oui. Et les gens peuvent donner un peu ce qu'ils veulent. Exactement. L'idée, c'est vraiment d'impliquer les personnes, quiconque aurait envie de s'impliquer dans un projet artistique. Tout le monde n'en a pas l'occasion, puisque normalement, les albums sont produits par les maisons de disques, etc. Nous, on a choisi de contourner ce système-là. Et on a eu envie de faire confiance à notre public, à notre entourage, et on l'a pas fait, ça nous est pas venu comme ça, ouais, sur un coup de tête. Hein. C'est, l'idée, elle a fait son chemin petit à petit, et à force d'entendre autour de nous des personnes nous dire qu'ils seraient volontaires pour nous aider si on avait besoin d'aide pour faire aboutir ce projet, on s'est dit mais autant essayer de réunir tout le monde, et cette plateforme le permettait, donc ça c'est super. Et en plus, ça permet à quiconque de s'engager à la hauteur qui lui convient, c'est-à-dire que les dons, ils commencent à partir de 2 euros, mmh, et ça va jusqu'à 8500 euros, évidemment, mais il va de soi que c'était un joke. Et puis il y a aussi des contreparties, si on met un peu plus, on peut par exemple avoir, c'est quoi, c'est pour 2 euros de plus, qu'est-ce qu'on a, on a un bisou de David et de Michaela. Ça, c'était histoire. Bon, ça aussi. On s'est pas privé de mettre un petit peu d'humour aussi dans cet univers qu'on a créé. Ouais, cet humour qui nous caractérise tant. Et non, on avait vraiment envie qu'il y ait une bonne vibe, une bonne humeur, de l'amour, encore une fois.
parce que ça nous importe. Et donc voilà, évidemment, ça commence à 2 euros, mais pour 20 euros, vous pouvez avoir l'album. Donc c'est un peu comme une précommande, en fait. Mmh. Et je précise d'ailleurs que même s'il y a effectivement quelques gros contributeurs d'ores et déjà dans nos Kiss Bankers, comme on les appelle, l'essentiel de la somme qu'on a collectée jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire 5 215 euros, c'est grâce, c'est en 80% les dons de 20 euros ouais. qui mis bout à bout, permettent de faire une grosse et belle somme, quoi. Donc voilà, c'est, on est là où on est vraiment heureux et fiers vraiment de notre public et des personnes qui nous soutiennent, c'est que par les temps qui courent, on sait que c'est difficile pour chacun. On est extrêmement touchés et heureux de constater qu'il y a encore des personnes qui sont prêtes à croire dans un projet artistique et que la culture n'est pas une futilité. Voilà, c'est... Donc ça, on est très fiers que ça se passe autour de notre projet et avec tous ces gens qu'on a croisés. C'est déjà une centaine de personnes qui vous ont donné de l'argent pour financer ce projet-là. Voilà. Et c'est ouvert finalement à tout le monde. Il suffit d'aimer le groupe. Bon, je pense que c'est la priorité. Oui. Aimer ce que vous faites musicalement ou alors être très généreux en tout cas. Et l'objectif, c'est ça. Si vous avez un challenge, il vous reste 40 jours pour atteindre les 8500 euros. Voilà. Exactement. Sachant qu'on peut les atteindre, on peut les dépasser aussi. Ça, c'est évidemment quand on aura, parce que moi je sais qu'on les aura, quand on aura les 8500 euros, ça reste encore ouvert. C'est-à-dire que si on a plus, c'est tant mieux. Parce que si on a plus, ça veut dire qu'on pourra travailler de façon un tout petit peu plus confortable. Ça veut dire qu'on pourra certainement rémunérer les gens qui travaillent avec nous. En fait, nous, depuis le début, on est aussi sur quelque chose de très équitable. C'est-à-dire qu'il est hors de question que nous, on gagne plus que les autres personnes qui ont participé à ce projet. Mmh. Il est hors de question que certaines personnes qui travaillent avec nous gagnent plus que d'autres. On essaie vraiment de faire ça de façon équitable. Mmh. Ce qui est très rare dans la musique, ce qui est très rare dans le showbiz en règle générale. T'as toujours des gens qui vont prendre 80%. Et les 20% restants vont être... fonctionnement des grosses maisons de disques, en fin de compte. Voilà, qui sont exactement. Là pour faire de l'argent, sous prétexte qu'ils mettent l'argent au départ, ils estiment que le plus important, c'est l'argent. Alors que nous, on estime que le plus important, c'est de contribuer à quelque chose. Donc, à partir du moment où des gens travaillent avec nous, on essaie après de rémunérer ou en tout cas de partager ce qu'il y a à partager de façon équitable. Mmh. Alors, l'objectif, c'est d'avoir quelqu'un qui travaille sur le mixage de l'album. Le mastering, c'est aussi pour le rendre écoutable. C'est aussi une autre étape sur chacun des disques. Mmh. Le mastering, pour que j'en comprenne, c'est un petit peu le vernis qu'on met sur un tableau, quoi. Voilà. Mais quelle belle image, c'est ça. Et on a aussi la fabrication évidemment de l'album. Et vous voulez vous entourer avec des professionnels attachés de presse, etc. Mmh. Pour voilà. qu'il y ait un écho quand même. Oui, ça c'est une part cruciale et ça coûte cher, effectivement, ça. Mais c'est un travail qui est indispensable de faire, sans quoi un album reste dans un tiroir et puis il est pas exploité. Et donc on peut pas le défendre correctement. Et on en a. Là, on parle par expérience. On a vu comment ça se passait quand un projet n'était pas bien défendu, notamment médiatiquement. Donc là, on espère pouvoir réussir à faire ça correctement. Et il est évident qu'on va mettre nous-mêmes aussi la main à la pâte. Ouais. Et puis, voilà, on est ici déjà aujourd'hui avec toi. C'est génial. Merci beaucoup. Merci à RCM. De rien, c'est les auditeurs qui vous demandent. Bon, nous aussi un peu, c'est vrai. Dernier appel, il faut aller sur Kiss Kiss Bang Bang il y a 40 jours. Kiss Kiss Bang Bang, 40 jours, c'est une belle aventure et on a envie de la partager avec un maximum de personnes. Et merci infiniment à tous ceux qui sont déjà avec nous. On va continuer à échanger avec vous. Donc n'hésitez pas, vous pouvez donner, même aussi petite que la somme soit donnée, ça permet au projet de Ferguson d'avancer. Exactement. C'est ça, donner ou même en parler autour de soi et puis venir nous voir sur scène quand on sera là. Peu importe en fait, le moindre geste, la moindre énergie qui se diffuse, c'est un don, quoi. Et c'est déjà un bon début. En tout cas, moi je vous remercie d'être venu dans les studios parler de ça. On se retrouvera quand l'album sera enfin finalisé, parce qu'il le sera, et puis sortie prévue pour 2013, on fera le point. Aux alentours du printemps, par là. Et rendez-vous au printemps. Merci à vous, Ferguson, d'être venu. Merci beaucoup, à bientôt. Et on va se quitter avec un extrait de ce futur album, le titre En attendant le bonheur. Et là, je crois que tout est dit. Ciao. Made in Local part en live. Made in Local part en live. Le mercredi à partir de 13h, en direct sur RCM.
J'ai promis, je n'en connais pas de sens. Sérénade ici. Il est aussi des nuits amères, des bains de lune en bord de mer, à l'interdit. On le fera chemin à guerre. Coup de la jetée, on part d'ici. On doit même se demander s'il n'y a que ça à faire. Si la lumière décline, on suivra les manèges des forains qui illuminent la nuit. Il est des voies pour s'égarer, le long des quais je suis parti, je ne te perds pas tout à fait. Si tu me suis,